Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le carnet d'épée en diamants spéciaux donc, que j'ai pris sur le site Goodfell. Je vais faire une petite vidéo en accéléré hein, parce que sinon, c'est une vidéo qui durera beaucoup trop longtemps. Donc, je commence par la couleur numéro 1. Donc, ce sont les diamants violets nacrés. Et je vous retrouve tout de suite après ce petit accéléré. On se retrouve, donc j'ai terminé le carnet. J'ai adoré faire franchement. En plus, il est juste magnifique. Regardez-moi ces diamants. J'adore. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce projet et je pense que je vais en recommander d'autres très rapidement. J'ai adoré faire ça. Je vous laisse regarder, mais franchement, beaucoup de couleurs. Les diamants brillent bien. Je me suis éclatée là. Ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai eu beaucoup de rab, comme vous pouvez voir, c'est tous les diamants qui me restent. Même au niveau des diamants vraiment très spéciaux, donc comme cela, vous voyez, vraiment, on a de quoi faire quoi. Du coup, c'est sympa pour utiliser après pour faire d'autres projets, personnaliser des objets. Là, franchement, ça c'est cool. Il y a de quoi faire, même s'il y a des petits diamants abîmés, du coup on peut facilement en changer. Donc voilà, après au niveau des petits strass, c'est pareil, il en reste énormément. Donc on a largement de quoi terminer son projet tranquillement, voire même de les réutiliser pour d'autres choses. Alors par contre, une toute petite chose que j'ai remarqué sur certains diamants. Donc là, je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait sur ce diamant-là, on voit la coupelle à travers au milieu, alors que celui-ci non. Donc en fait, c'est simplement parce que le diamant en question. Alors attendez, j'essaie de vous le retourner. Alors, là on le voit un petit peu, mais pas trop. Je vais essayer de le prendre. Je le mets bien pour vous montrer en fait le petit défaut. Voilà, là on voit bien en fait. Il y a un trou donc au milieu, donc ce qui fait que ça rend le diamant transparent et même quand on le pose du coup sur le cahier, ça se voit. Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup de râpe, donc moi ce que j'ai fait quand j'avais des diamants avec ce défaut-là, ben, j'en mettais un autre quoi. Et voilà, juste pour vous montrer donc que ça arrive. Et puis sur ceux-là,
Vous voyez des petites taches blanches, hein. C'est pas un reflet, c'est vraiment des petites taches blanches, comme s'il manquait un peu de couleur sur certains strass. Mais bon, voilà, c'est toujours la même chose. Il y a tellement de râpes qu'on peut se permettre de sélectionner les diamants sans aucun souci. Voilà. Donc ce que je voulais faire remarquer par rapport à ce projet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remontre le cahier, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Si vous en avez déjà fait, dites-le moi. Dites-moi si vous avez apprécié faire ce genre de projet. Moi, en tout cas, je me suis régalée. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!